Bonjour, bonsoir chers participants. Nous voilà au cinquième module du cours intitulé Exploiter le potentiel numérique pour accélérer l'agri-entrepreneuriat et la croissance des entreprises des jeunes. Le cinquième module est intitulé La gestion des données, deux points, les données ouvertes, les big data et la collecte de données mobiles en agriculture. Pour rappel, ce cours de cinq modules sur l'agriculture digitale est organisé par l'IDEP en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Union et l'Union africaine. Dans cette présentation, nous vous donnerons un aperçu du cinquième module qui traite de la gestion des données. Afin de vous familiariser avec les concepts de données ouvertes et du big data et comment ces concepts sont utilisés dans l'agriculture au travers de deux cas. Et enfin, nous parlerons de l'outil en ligne de collecte de données mobiles qui s'appelle Kobo Toolbox, qui est un outil open source, donc gratuit, que vous pouvez utiliser dans des projets de collecte de données au-delà de l'agriculture. Mais ici, pour les nécessités de ce cours, nous allons nous concentrer sur l'agriculture. Ces concepts, bien entendu, seront aussi approfondis avec des cas d'utilisation. J'en ai parlé, de deux cas spécifiquement. Un cas sur le big data et un autre sur les données ouvertes. Afin de profiter pleinement de ce cours et en savoir plus, vous devez lire le matériel de cours complet qui accompagne le narratif du module. Ces ressources sont téléchargeables sur la plateforme d'enseignement en ligne de l'IDEP. Et cette plateforme vous offre la possibilité donc, de télécharger ces cours qui vous permettent de mieux approfondir les concepts abordés dans cette présentation, mais aussi dans le narratif global du cours. Pour commencer, nous allons rappeler les fondamentaux du principe intitulé pilotage par les données que nous avons vu lors du module 2 dans la gestion des projets de développement, notamment les 9 principes du digital développement. Qu'est-ce que dit ce principe en relation avec le pilotage par les données? C'est d'avoir une démarche qui permet à la donnée de pouvoir appuyer les mesures d'impact, par exemple. Asseoir les mesures d'impact sur de la donnée probante. Et pour cela, il fallait dès la définition du projet aussi, et dès la définition aussi des indicateurs de mesure, se poser la question de savoir quelles sont les données qui nous permettront d'atteindre cet objectif. Ce qui pose aussi la question d'une utilisation rigoureuse des données à collecter en termes de méthodologie. De présenter aussi les données dans des formats faciles à interpréter, par de bons outils de visualisation, mais aussi d'analyse. De sélectionner et d'utiliser des données ouvertes et des normes interopérables. D'avoir globalement une approche assez large concernant la collecte et l'analyse des données, nous en avons parlé, et de créer surtout une culture de l'utilisation des données en renforçant la capacité de collecte, d'analyse, de visualisation, globalement de traitement, de gestion des données des équipes projet, de vos collaborateurs. Et de développer aussi une culture de l'éthique de la donnée, d'avoir une démarche responsable qui respecte les accords et les réglementations et normes internationales sur la question des données. Un deuxième point aussi qui avait été abordé et qui restait toujours en relation avec la donnée lors du module 2, c'était le principe d'utilisation des normes ouvertes afin de soutenir l'innovation des normes et sources ouvertes. Et aussi, de partager les données non sensibles après vous être assuré que les exigences de confidentialité sont respectées. En résumé, d'avoir une démarche, disons, éthique en termes de partage de la donnée.
comment peut-on définir et caractériser les données ouvertes? La définition que nous avons retenue est celle-là. Une donnée ouverte est une donnée qui peut être librement utilisée, réutilisée et redistribuée par quiconque. Donc, c'est la disponibilité d'accès, c'est la capacité à être réutilisée et à être redistribuée. Et en termes de capacité, c'est aussi de mettre cette capacité à la disposition de tout le monde, de faire en sorte que tout le monde soit en mesure d'utiliser et de réutiliser ou de redistribuer la donnée. Sans discrimination. Un autre point important aussi à souligner, c'est la notion d'interopérabilité. L'interopérabilité désigne la capacité de divers systèmes ou sources de données à travailler ensemble. Ça peut être, comme nous l'avons, des sources de données, des ensembles de données, ou classiquement des datasets, ça fait aussi des systèmes de données. En termes d'exemple d'utilisation de la donnée ouverte pour l'agriculture et la nutrition, nous avons retenu de vous entretenir de la plateforme Quadan, accessible en ligne, www.quadan.info. L'initiative Quadan vise à démontrer l'avantage que représentent les données ouvertes dans l'agriculture et à convaincre les gouvernements de favoriser leur disponibilité, à convaincre les gouvernements d'avoir une démarche d'ouverture des données publiques. Gouvernement donc a cette mission de soutenir des initiatives de données ouvertes, de nouvelles initiatives ou d'initiatives existantes, en se focalisant sur les données agricoles et nutritionnelles. Donc, c'est une plateforme orientée vers les données ouvertes à l'échelle mondiale dans le domaine agricole et la nutrition. Il plaide pour la mise en œuvre d'efforts de collaboration, le développement de réseaux, de partenariats et de soutenir la construction de programmes de bonnes pratiques et de leçons apprises dans l'utilisation de la donnée ouverte, en particulier par et pour les milieux défavorisés. Qu'est-ce que fait Gordon? Il essaie de développer un cadre directeur et l'un de ces cadres directeurs est de rendre les données FAIR, qui signifie findable, accessible, interopérable, réutilisable. En français, que les données soient trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Gordon a aussi élaboré un code de conduite des données ouvertes qui est un kit qui propose des clauses en relation avec la donnée et ces clauses peuvent être utilisées par rapport au regard de leur pertinence et pour vérifier l'état de la donnée. Pour le moment, ces clauses sont au nombre de 17, mais elles sont dynamiques et sont accessibles à partir de la plateforme suivante. Quadan est aussi un ensemble de ressources et de cours que vous pouvez accéder pour rappel sur www.quadan.info où Quadan présente un certain nombre de cours et de ressources éducatives pour approfondir vos connaissances de la mise en œuvre de projets de données ouvertes, d'utilisation de normes et de données ouvertes. Il a aussi développé le kit dont nous avons parlé, le toolkit qui est le code de conduite, mais un guide aussi sur l'ouverture des données. Un certain nombre de cours dont je parlais tout en tantôt, certains cours ont alimenté le module 5 en relation avec les données ouvertes. Et sur cette plateforme, vous retrouverez encore beaucoup d'autres ressources. Ces ressources sont en anglais, en français et en espagnol. Le deuxième point qu'il fallait aborder était le concept de données massives, les big data et son application dans l'agriculture. Nous avons proposé deux définitions que vous pouvez approfondir qui sont approfondies dans le tutoriel.
La première définition est celle de la dernière corporation et qui, depuis 2012, avait défini les mégadonnées, donc les données massives, comme des actifs d'information à volume élevé à grande vitesse ou à grande variété. Il existe des formes de traitement de l'information rentable et loin. Il y a aussi la définition de l'Union internationale des télécoms qui définit le big data comme un paradigme pour permettre la collecte, le stockage, la gestion, l'analyse et la visualisation, potentiellement sous contrainte de temps réel, de vastes ensembles de données aux caractéristiques hétérogènes. Au travers de ces deux définitions, nous élaborons le concept des 3V qui caractérise les big data. C'est la massivité des données, les grands volumes, donc la notion de volume, les vitesses de traitement, la capacité de mise en disposition, à mise à disposition très rapide des données et la possibilité de travailler sur des sources de données variées, diverses, notamment par l'interopérabilité dont on avait parlé tantôt. C'est détaillé sur ce slide fourni par l'Union internationale des télécoms et qui est bien détaillé dans le cours parce que extrait d'un rapport de la FAO, un des partenaires du cours. C'est toujours le volume, la variété et la vélocité, notamment la vitesse de traitement. Le big data aussi est un écosystème constitué de plusieurs acteurs, des fournisseurs de données, le data supplier, et data brokers qui mettent en relation les fournisseurs de données et les fournisseurs de services big data. Donc, on a le data supplier, le data broker, le big data service provider et le big data service customer qui est l'utilisateur final, disons le client des services de big data. Cet écosystème est représenté ici. Par exemple, on voit bien que le data broker essaie de mettre en relation les data suppliers et les data providers. En termes d'exemple d'utilisation concrète de la big data pour l'agriculture, il y a la plateforme CGR accessible en ligne, la plateforme big data CGR accessible en ligne à travers cette adresse. L'objectif de cette plateforme, la CGR pour les mégadonnées, est d'exploiter les capacités des mégadonnées pour accélérer et renforcer l'impact de la recherche agricole internationale. Cette plateforme offre beaucoup de services, notamment une communauté de pratiques, un ensemble de communautés de pratiques représentées ici. Une communauté de pratiques axée sur les données, une autre sur la modélisation des cultures, une autre sur les données géospatiales, sur les données sur l'élevage, une communauté de pratique sur la gestion des informations et des données, sur la gestion donc des données, sur les données d'ontologie et les données socio-économiques. Ce sont des services qui sont accessibles et qui organisent souvent des études, qui produisent des études, qui organisent des conférences, des webinaires sur ces sujets pour animer une communauté et essayer aujourd'hui d'échanger les meilleures pratiques dans la gestion des données volumineuses. Et enfin, nous avions parlé de l'outil de collecte de données mobiles Kubo Toolbox, qui est un outil open source développé conjointement par Harvard Humanitarian Initiative et Brigham and Women's Hospital. C'est un outil développé à l'origine pour répondre aux besoins que peuvent avoir les utilisateurs qui se rendent sur des lieux de crise et de catastrophes naturelles pour collecter des données et les remonter très rapidement à partir de terminaux mobiles. Mais il est aussi utilisé dans le monde agricole parce qu'il est open source, il est facile à déployer sans grand effort et sans grand investissement. L'outil accessible en ligne à travers l'adresse www.kubotoolbox.org.
Il permet de collecter des données à travers des terminaux Android, à travers des téléphones mobiles iPhone, en fait, sous système d'exploitation iOS et Android, et aussi à partir d'un ordinateur. Pour ce faire, nous vous recommandons deux guides qui sont dans l'espace accessible dans l'espace de téléchargement, mais l'Internet est une grande communauté de tutoriels qui parlent de Toolbox et son utilisation. En tout cas, ces guides peuvent vous aider à vous familiariser avec l'outil. Et naturellement, l'encadrement pédagogique de ce cours se met à votre disposition pour pouvoir vous appuyer durant cette semaine de cours en relation avec les données et vous appuyer à mieux utiliser le Kobo Toolbox si vous voulez approfondir vos connaissances ou si vous avez des questions là-dessus. Naturellement, nous vous remercions enfin de nous avoir écoutés et nous sommes impatients de pouvoir échanger avec vous au travers du forum en ligne. N'hésitez pas à poser des questions ou sur la présentation ou sur la documentation fournie. L'équipe d'encadrement pédagogique est heureuse d'avoir passé tout ce temps avec vous, du premier module au cinquième module, et nous vous recommandons et vous encourageons de faire les exercices et les tests d'évaluation qui entrent en ligne de compte pour votre certification. Et surtout de nous contacter pour tout besoin ou toute demande d'information en relation avec le cours. Je vous remercie et bonne continuation.